changer le thème des simples, on va se la donner. On va taper quelques accélérations. Je pourrais pas courir à 100% malheureusement, j'ai fait un basket il y a 2 jours. Et on a joué 4 heures avec des gars et j'ai un peu mal au pied malheureusement. Donc on va essayer de courir à 60-70%, voir ce qu'on peut faire. Mais on fait les choses bien parce que c'est important. J'ai toujours eu un départ assez médiocre dans mes courses, dans tous les sports. Mais c'est vraiment une fois que mon départ est lancé, là j'arrive à bien enchaîner et bien courir. L'idée, c'est de bosser sur mes départs afin d'être beaucoup plus rapide. Comme ça, je serai un coureur complet. Je vais prendre un peu de Clearway. C'est la Clearway édition limitée avec Marvel Black Panther. J'ai mes protéines. J'aime pas ça quoi comme goût. Mais j'aime beaucoup. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller au foot américain, mais juste tu vois, les entraînements à découverte. Je vais aller, je vais montrer les résultats de mon travail et après je vais me barrer. Je vais faire ça. Comment? Là, je fais 5 sprints, je continue à en faire, mais je me trouve assez lent, tu vois. L'idée, c'est qu'à l'avenir, je me chronomètre pour que je sache combien de temps que je fais, tu vois. Là pour l'instant, on rentre dans le bain tranquillement. Je réapprends à connaître mon corps, à être souple dans mes mouvements. Et après, on va se chronométrer. Je pense que je vais prendre un chronomètre de prof de PS avec. Tu vois, ceux qui s'accrochent au cou là. Je vais prendre ça, je démarre, je cours. Et puis, je chronométrerai parce que je suis tout seul malheureusement, donc je peux pas faire appel à quelqu'un. Mais on va faire les choses bien. On va chercher la performance parce que c'est important. Putain, toujours s'en donner les moyens. Quand tu fais quelque chose, faut le faire à fond. Sinon, ça sert à rien. Faut s'en donner les moyens, c'est important. Mettre toutes les chances de son côté. Et nous, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Parce que c'est important. Par contre, cette Clearway là, je vais de la prendre avec de l'eau à côté parce que comme c'est sucré, un peu, et il fait chaud, tu vois, boire de l'eau à côté, c'est important. Pour moi, c'est que la Clearway pêche qui est le combo parfait entre pas très sucré en goût et hydratant, tu vois. Là, c'est, enfin, les autres, elles sont un peu plus sucrées. Je pense que dans les grammes de sucre, ça se voit pas, mais en bouche, ça se sent, tu vois, et le sucre, ça donne archi soif pour de vrai. Putain, merde. J'ai fait un petit thé mauricien pour me mettre bien. Je remplace petit à petit le thé par le café et franchement ça me fait du bien. Et là rien à voir maintenant, mais ça fait depuis 2 semaines que je suis sous extrait de thé vert et oméga 3. Et franchement,
Je me sens bien. Alors, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais je me couche tôt, je me lève tôt, sans réveil, et je suis en forme toute la journée. Vraiment, c'est incroyable. Et prise d'oméga 3 trois fois par jour, matin, midi, soir. Enfin, matin, midi avant de dormir, parce que je me couche vers 17-18 heures. L'extrait de thé vert, je la prends tous les matins. Et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je me sens super bien. Je suis bien, je suis bien. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Je suis bien, je me sens bien. Donc je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais c'est incroyable. D'ailleurs là, faut que je fasse part de ma journée d'hier parce que je suis parti courir, j'ai fait un peu de sport dehors. Ça s'est bien passé. J'ai moins mal aux pieds et je suis content. J'ai hâte de recourir encore. Mais juste après ça, bah, j'ai reçu un message d'une salle de sport. Comme je t'ai dit, il y a une salle de sport que je peux louer, un studio privé où je peux faire des vidéos dedans. Donc, j'ai reçu un message de cette personne-là. Je suis parti visiter la salle. Je te montre ça. En gros, c'est un studio de coaching privé. C'est une salle où tu la loues et tu fais ce que tu veux dedans pendant un certain nombre d'heures que tu l'as loué. Moi, je l'ai loué 12 heures pour faire du contenu. C'est un budget. C'est un budget, c'est un certain prix. Mais moi, je l'ai pris vraiment pour faire des vidéos pour ma chaîne YouTube secondaire. Dame Jordan Training. On va faire des programmes dedans. On va faire des programmes de fou. Vraiment. Donc, là, je te dis dès maintenant, si tu auras ces vidéos-là et tu kiffes aussi les concepts que je fais, des programmes avec toi, va sur Dame Jordan Training. Mets de la force à fond. Partage cette chaîne. Dame Jordan Training, c'est une chaîne où on fait des programmes complets, gratuits, ensemble. Je te demande rien. Ok? La seule chose que je peux te dire, c'est que voilà, si tu as des compléments à prendre, MyProtein, le code Dame, ça fait plaisir. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, viens avec ta gourde, tes haltères et on s'entraîne ensemble. Mais la salle, elle est incroyable, les gars. La salle, elle est incroyable. Elle est en full black. Tout est noir dans la salle. Tout est bien pour faire des vidéos. En termes de luminosité, ça a l'air d'être cool. Et on va faire les choses bien. On va faire les choses bien. Les premiers programmes que je vais faire dedans, ça va être des programmes où je vais pas parler. Je vais peut-être juste compter, ou je sais même pas si je vais compter. Mais je vais vraiment faire des programmes à la chaîne. Et en fonction des vues de ces vidéos, de ces programmes, là, je ferai des vidéos où on s'entraîne et on parle et on discute. Comme d'hab. Si vraiment il y a de l'engouement, vraiment, avec ces programmes-là, eh ben, je vais prendre la salle peut-être 10 ou 20 heures par mois et je te fais plein de vidéos. Parce que comme je te dis, mon but de base, c'était d'avoir une salle comme ça pour faire des programmes, pour faire des vidéos, pour produire des choses de fou. Et là maintenant, je l'ai, enfin je peux la louer en attendant de construire la mienne. On va se donner à fond, on va faire du contenu à fond. Parce que j'ai beaucoup parlé en disant, oui, si j'ai ça, je fais ça, si j'ai ça. Maintenant, je l'ai. Je l'ai, j'investis. Ça me fait mal, mais j'investis pour le faire et pour te montrer ce que je peux faire. Si tu me fais confiance à regarder, à partager. Donc là, on va faire les choses bien. Comme je t'ai dit, là, je suis en plein projet 99 sur Instagram. 99 où je fais tout ce que j'ai envie de faire. Je me donne à fond dans ce que je fais, y compris dans ces vlogs-là. Et bah, faut se donner à fond sur la chaîne secondaire aussi. Il faut aller chercher les choses. C'est important. Moi, je vais finir monter tranquillement. Ce matin, j'ai mangé des muesli au chocolat. C'est incroyable comment ça me cale. Ça me cale de fou. En plus, il fait chaud en ce moment. Donc, le fait de manger un tout petit peu, ça me blinde. Et on va aller à la salle. On va aller à Basic Fit. Je sais pas quel type d'entraînement je vais faire encore. Mais là, je suis plus passé sur du full body à chaque fois maintenant. Hein. Plus entraînement hybride. Parce que c'est important. Bon, allez, je finis ça. Et on va s'entraîner. Ok. Ça fait longtemps le rameur. Vraiment. Pas faire longtemps. C'est de faire 5. 5, 7 minutes, pas plus. Histoire de bien chauffer le corps. Mettre un peu de sang dans les muscles parce que c'est important. Comment? Comment? Comment?
là vraiment j'aurais besoin de mon casque, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de traction. Donc on va tricher, c'est pas grave. Là je vais mettre beaucoup plus de contrôle parce que j'allais un peu vite, mais le mouvement je l'ai vu, il est pas ouf, donc je vais mettre beaucoup plus de contrôle là. C'est plus dur mais faut les choses bien, c'est important. Oh, ouais. Cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de sport, mais j'ai beaucoup travaillé et il y a beaucoup de choses qui vont se passer et je me dois de te faire un débrief parce que c'est important. Déjà, rectification par rapport à ça là, extrait de thé vert, ça fait un mois et deux semaines que je le prends et pas deux semaines. J'avais dit au début de ce vlog que ça faisait deux semaines, ça fait un mois et deux semaines, vraiment. Et c'est incroyable, ça me fait du bien. Maintenant, passons au vrai projet. Je t'avais parlé de la salle de sport que j'ai loué pour faire des contenus vidéo dedans. Alors, c'est pas une sponsor, c'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit, c'est pas un geste commercial. Non. Si on m'a montré cette salle sur les réseaux, je les ai contactés, ils m'ont répondu, j'ai visité la salle et j'ai pris un forfait. Et si tout se passe bien, je vais prendre d'autres forfaits. Par rapport à la salle, c'est une salle privée. C'est une salle où normalement tu vas avec ton client, tu fais sa séance de coaching et tu rentres à la maison. Moi, je vais être dans cette salle pour faire du contenu vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire et peut-être sur cette chaîne YouTube principale. À l'heure actuelle, j'ai écrit plus de 50 vidéos, dont 30 programmes pour cette chaîne YouTube secondaire. Mon objectif et vraiment de cet été de carburer, de t'envoyer un maximum de programmes, de te proposer plein de choses afin que tu puisses évoluer et progresser, et ça gratuitement sur YouTube. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais si tu me suis pendant longtemps pendant mes programmes de sport, je te l'ai dit, il me faut une salle où je suis tranquille, où je peux te faire des programmes, où je peux te faire des trucs et je vais te faire les choses bien, vraiment. Parce que de base, moi, je voulais construire une salle comme ça, mais ça coûte cher. Il y a vraiment un budget. Là, je peux payer pour avoir ça. Et ben, je paye pour l'instant pour avoir ça, mais ça coûte cher. Franchement, ça coûte cher. C'est un budget, mais je mets ce budget pour voir ce que ça peut donner et pour te montrer ce que ça donne. Et comme je mets le budget, et ben, faut vraiment que je me donne à fond. Et j'ai pas le choix. Là, je peux pas mettre un budget et rien faire et rien proposer. Là, il y aura vraiment du lourd. Il y aura vraiment un truc où t'es pas prêt. Moi, je te le dis, je te le parle. Maintenant, parce que je sais, au fond de moi, j'ai mis l'argent pour vraiment faire un truc propre, un truc sérieux et te proposer ça gratuitement. Je vais aussi peut-être faire une bibliothèque d'exercices pour tous les programmes haltères, pour tous ceux qui veulent s'entraîner aux haltères à la maison et qui veulent un suivi avec moi. Je vais peut-être faire une bibliothèque d'exercices comme ça. Si tu me donnes un programme, bah, tu auras un programme en vidéo détaillé avec tous les exos et tu seras tranquille. Donc ça,
Je vais préparer ça une fois que j'aurai fini tous les programmes. Parce que bien évidemment, ma priorité, c'est de te fournir des programmes complets et gratuits. Les suivre avec moi, c'est bien. Si tu le prends avec moi, c'est bien. Mais c'est secondaire pour moi. D'ailleurs, je prends pas tout le monde. J'ai des places limitées. J'aurai peut-être des places qui vont se libérer vers septembre. Si je me trompe pas, là, je reste avec les clients Jay. Mais voilà, on va préparer ça. On va faire ça bien. Là, tu vois, là, j'ai écrit plusieurs programmes recto verso sur feuille. Mon but, c'est d'en avoir 100. C'est d'en avoir 100. Il faut que pendant ces grandes vacances, je carbure. Si je peux faire une vidéo par jour, je fais une vidéo par jour. Enfin, si je peux poster une vidéo par jour, j'en poste une par jour. Et mon but, c'est vraiment d'honorer ce que j'avais dit quand j'ai créé ma chaîne secondaire, faire 100 vidéos. Au moins, faire 100 vidéos. Là, je vais faire 100 vidéos dans une salle qui sera vraiment incroyable et à mon image. Et dans ces programmes-là, il y aura tout. Programme, un seul muscle. Programme, deux muscles. Programme, full body. Programme, PPL. Programme, split. Programme, poids de corps. Il y aura tout. Il y aura vraiment tout. J'ai tout écrit. Franchement, ça prend du temps à écrire. Ça va me prendre encore plus de temps et ça va me fatiguer de les faire. Mais là, je compte vraiment faire un truc de fou. Pour ceux qui kiffent les programmes, pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui m'ont connu avec ça, où je fais des programmes et tu t'entraînes avec moi, et ben là, tu seras vraiment bien, tu seras servi gratuitement. C'est important de le dire gratuitement parce qu'il y a plein de personnes qui vendent des PDF et c'est pas mon but. En tout cas, je suis content et ma semaine, elle est pas finie parce que là, je continue à écrire, je continue à travailler parce que, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de programmes à faire et mon but, c'est d'être content, d'être fier de moi et aussi d'aider un maximum de personnes à progresser. Sachant que normalement, je commence le 1er juillet. Là, on est le 22 juin. Normalement, j'attends un message de la personne qui gère la salle parce que peut-être que je vais commencer la semaine prochaine, finalement, une semaine avant juillet. Donc, ça peut être vraiment bien. Si je commence ne serait-ce que un jour avant, j'ai des créneaux avant, et ben, je pourrais vraiment te produire une vidéo par jour pour le mois de juillet. Et j'ai envie, franchement, j'ai envie. Comme ça, je te fais une vidéo par jour juillet. Et si je suis chaud, j'enchaîne juillet, août, et là je suis bien. Une vidéo par jour sur la chaîne secondaire, vraiment. Je suis aussi bloqué parce que j'ai envie de te faire du contenu un peu comme à l'ancienne, où je te montre 4 exercices, je te montre comment je m'entraîne sans faire un programme complet, soit sur la chaîne secondaire, soit sur la chaîne principale, j'hésite encore. Parce que sur la chaîne secondaire, moi ce que je voulais faire, c'est vraiment te produire que des programmes avec moi. Ça veut dire que quand tu viens dessus, soit tu as une vidéo intro qui va t'expliquer comment tu peux gérer tes programmes, soit t'as des programmes. Je voulais pas faire autre chose. Mais sur cette chaîne principale, ces vidéos, vlogs et tout, et ben, je kiffe. Franchement, je kiffe. Je kiffe ce concept et j'ai pas envie de sortir de ce concept que j'aime beaucoup, tu vois. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais faire des formats aussi short, des formats verticaux. Mais je vais voir. Déjà, je me concentre sur les 100 programmes. C'est le plus important. Et après, on verra. Mais je me tâte à le mettre soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire. Je sais pas si je te vloguerai la salle, les vidéos que je fais, les contenus. Peut-être que je ferai quelques plans avec mon téléphone, comme ça je pourrais te montrer, je pourrais t'expliquer quelques trucs, comment je travaille et tout. Ça peut être intéressant, ça peut te montrer aussi l'envers du décor. Parce que faire 100 programmes, c'est incroyable, je pourrais pas les faire en un jour, je pourrais pas les faire en deux jours. Ça va prendre du temps, mais il faudra que j'en fasse un maximum. Et puis voilà, on va faire ça bien. Je sais pas non plus, la semaine prochaine je vais faire beaucoup de sport parce que mon but c'est d'écrire un maximum de programmes, de proposer un maximum de choses afin que tu sois bien, que tu progresses. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce vlog. J'espère que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne principale mais aussi secondaire Dames Jordan Training si c'est pas fait. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.